Les Inséparables. Après avoir été élue Miss France en 2009, Chloé Morteau est devenue maman pour la première fois en 2013, d'un petit garçon prénommé Matty. Née de ses amours avec le pilote automobile français Romain Thiévin, dont elle s'est séparée en 2018, celui-ci fait aujourd'hui la fierté de la mannequin, qui est actuellement enceinte de son deuxième enfant. Et si les derniers mois ont été principalement consacrés à ce futur nouveau venu, avec notamment une baby shower digne de ce nom et de nombreux clichés de baby bump, l'ancienne reine de beauté n'oublie pas pour autant son petit garçon adoré. Lundi 28 février, elle n'a ainsi pas manqué de célébrer le 9e anniversaire de celui-ci, en partageant d'adorables clichés sur Instagram, mais aussi, un message rempli d'amour. Toujours ensemble. Mon mini moi, a-t-elle ainsi écrit pour signifier la grande complicité qui règne entre elle et son fils. Mon amour a 9 ans aujourd'hui. 9 ans de bonheur, de rire, de câlins, 9 ans à te prendre dans mes bras. Bon anniversaire Matty. Je t'aime mon fils, a-t-elle ainsi écrit. Et de nombreuses anciennes Miss France n'ont pas manqué de réagir à cette adorable publication, comme Élodie Gossuin, Valérie Bègue, ou encore Maréva Galanté. Quand Chloé Morteau va-t-elle accoucher? Désormais installée à Los Angeles avec son mari Dean David Neger, qu'elle a épousé en juin 2021 entourée de sa famille Miss France, Chloé Morteau s'apprête à devenir maman pour la deuxième fois. Après une baby shower le 6 février dernier, l'ex-Miss France semble arriver au terme de sa grossesse comme elle l'avait laissé entendre à ce moment-là en confiant qu'à quelques jours de sa due date, il était temps pour elle de se reposer. Il ne reste désormais plus qu'à attendre avant que ne naisse celui qu'elle surnomme son bébé lune de miel, tandis qu'elle avait annoncé sa grossesse en décembre dernier. Loading widget.